captivité. D'aucuns ont un pleur charitable. Pour Jésus né dans une étable, je sais un sort plus lamentable. Je sais un enfant ramassé, un jour de décembre glacé, nu comme un ver dans un fossé. Il est nuit. Pas une voisine n'offre sa grange ou sa cuisine à la pauvre mère angésine. Malgré sa mine et son danger, qui donc voudrait se déranger? Elle est en pays étranger. Donc, depuis l'étape dernière, se traînant d'ornière en ornière, elle va, bête sans tanière. Bête à garde qui s'enfuit et cherche à tâtons un réduit, les yeux grands ouverts dans la nuit. Ses reins lui pèsent, ses mamelles que gonflent des cuissons jumelles sont pleines comme des gamelles. Son ventre où flambent des charbons, sans l'enfant, fils des vagabonds, qui veut sortir et fait des bons. Elle va quand même, plus lente, tirant ses pieds lourds dans la plante, saigne. Elle va, folle, hurlante. Saoule et boule, roule au fossé, et maudit le mal exaucé, par qui son flanc fut engrossé. La face au ciel, comme en extase, elle se tord. Son cou s'écrase sur les cailloux et dans la vase. Elle accouche enfin en crevant, et le gueux nouvel arrivant grelotte et vagit en plein vent. Le vent est dur, sa chair est nue, aucune étoile dans la nuit ne vient saluer sa venue. Pas de mage, pas de cadeau, de crèche, de berger badaud, il est seul, couché sur le dos. Comme un supplicié qui clame, tout noir près du cadavre blême, sans personne au monde qui l'aime. Et par sa mère au ventre ouvert, je jure, le front découvert, que l'autre n'a pas tant souffert.